Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Et les amis, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo présentation des véhicules de la mage. Donc voilà, c'est le dernier DLC, donc les deux dernières voitures qui, enfin les deux derniers véhicules qui nous ont offert donc dans la dernière mise à jour donc du jeu. Donc il y a cette Audi. Franchement, elle est terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique comme bagnole. Donc c'est une voiture donc touring car. À savoir que niveau customisation, on peut changer la livrée, pièce esthétique, on peut changer que les jantes. Voilà les jantes. Bon, moi je vais laisser ceux d'origine parce que celles d'origine pardon parce que je les trouve vraiment belles. Après bon voilà, peinture étriée. Et c'est tout. Donc on peut faire que ça. Après performance, j'ai déjà mis toutes les pièces que je pouvais dessus. Donc par rapport aux pièces que j'ai moi. Donc vous voyez qu'elle est niveau 202 sur 320. Donc il y a moyen de la maxer bien bien plus que ça. Donc ça c'est le premier véhicule donc qu'ils nous ont filé. Elle est quand même super super belle. Alors on va monter dedans vite fait pour vous montrer un peu l'intérieur. Bon, elle est super belle. Franchement, elle est super belle. Vous voyez l'intérieur, il est. Bah, c'est une voiture de course, quoi, hein, tout simplement. L'arceau, les baquets. Alors, allez, on s'assoit dedans. Comme si on y était, les amis. On ferme la porte. Et on va démarrer l'engin. Un petit monstre, le volant bien stylé aussi avec tous les boutons dessus. Les petites plaques en fer là. Essuie-glace. Petit klaxon. Bon allez, on s'échappe de là. Voilà, donc ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, donc ça c'est pour s'il y a un incendie. Ouais, c'est l'extincteur. Bon ok, ça ok. Alors, bon, on a vu cette bagnole. Alors les amis, on va voir le deuxième véhicule. Qui n'est pas une voiture, les amis. Alors, on va descendre directement au port. Et là, vous allez voir l'engin qu'on a récupéré. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est celui-là. C'est ce bateau. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un truc de fou, je trouve. Vous voyez l'arrière, comme il est vraiment chelou. Il est troué. Bon, après, ça doit être vraiment un bateau de luxe. Le compteur est. Oh, mais j'ai pas fait gaffe, on peut monter dedans aussi. Donc, on va monter dedans. Oh, le compteur, oh, c'est un truc de malade. On se croirait dans un avion, quoi. Alors, je vais démarrer le moteur, hein, tant qu'à faire. Oh, ouais. Ouais, petit klaxon de bagnole. Ouais, ok. Bon, allez. On s'échappe de là. Alors niveau customisation les amis, comme vous voyez pièce esthétique on peut rien faire du tout. Performance, pareil que l'Audi, j'ai mis tout ce que je pouvais. À savoir que je n'ai pas du tout farmé tout ce qui est bateau. Donc comme vous voyez je suis à peine à 113 sur 250. Donc là encore il y a moyen de maxer énormément plus. Comme vous voyez je suis déjà à 2400 chevaux donc c'est un gros monstre. Voilà, donc ça ok. Par contre, ah oui, ce qu'on n'a pas fait, alors pour ce qui est de l'autocollant, donc de délivrer, top 100. Donc l'Audi, comme vous avez vu, donc j'ai pas changé la livrée. Par contre, dans celui-là, alors ouais, donc ça c'est d'origine. Ouais, pourquoi pas le Red Bull à la limite. Red Bull est plutôt sympathique. Ouais non, ça non, ça non plus. Ouais, pourquoi pas le Red Bull. Allez, on va mettre le Red Bull les amis. Il est plutôt pas mal. Allez, 3300 balles, on achète. Voilà. Allez, on s'échappe de là. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait ça, on va aller se faire donc une petite course. On va tester les véhicules. Donc, l'Audi en touring car. Difficulté, donc là je suis. Oh ouais, non, là, laisse tomber. Ouais, on va faire en normal hein, déjà. On va tester en normal.
De toute façon, je crois pas que la voiture soit assez puissante pour faire du difficile. Moi, difficile, je le farm avec la voiture touring car, la Mercedes là. Allez, donc on va tester avec celle-là. On va voir un peu ce que ça vaut. Allez, voilà. Bon, elle est quand même super belle, hein, cette Audi, franchement, elle est super belle. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux véhicules et des nouveaux véhicules gratuits. Hein. Surtout ça. Bon, on voit que en mode facile, ça va tout seul. Hein. Après, en difficile, c'est pas la même, hein, je vous le dis de suite. Allez, petite accélération. Petite épingle sur le bout. 59. Ah oui, parce que c'est le touring car ou le junior, ces amis. Alors franchement, touring car, je trouve que cette épreuve elle déchire, mais c'est un truc de fou. J'adore cette épreuve. Dans le jeu rouge, touring car c'est mon épreuve préférée. Franchement, je répète, je sais à chaque vidéo, mais j'adore. On a trop de sensations. Et encore avec celle-là, moins qu'avec la Mercedes, je trouve. Bon, petite sortie de route là. Ah, la Mercedes, c'est un truc de malade. Un peu de noce avant de piler. Tirer le frein à main. Allez, on repart. Franchement, j'aimerais bien reformer encore un peu ce jeu. Et bon, avec tous les nouveaux jeux que je suis en train de faire, je peux pas tout faire avec les Forza et tout. Parce que vous avez pas trop de vidéos de Forza, mais bon, je joue un peu quand même dessus. Honnêtement, la conduite, je préfère nettement la conduite de The Crew, ça, c'est clair et net. Surtout dans cette épreuve-là. Hein. Allez, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Bon, après, les goûts et les couleurs, les amis, hein, ça. C'est clair que dans Forza il y a nettement plus de véhicules. Ça, on va pas se le cacher. Bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais voilà. Bon, franchement, ça va. En conduite, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. On peut jouer avec. Elle tient bien la route. Elle tourne bien, elle marche bien, elle est jolie. Après, c'est clair que pour farmer, moi je prendrais direct ma Merco, ça c'est clair et net. Mais bon, elle est pas mal. Bon, voilà, on est à 80% de la course. Après, on va se faire une petite course avec le bateau, petit frein à main, voilà, hop, on repart. Aïe aïe aïe, bon, c'est bon. Allez, on repart. Voilà. 89%, on est presque arrivé, les amis. Petit coup de pied au cul avec le noce pour repartir. Mais vous voyez, le noce, je pense que c'est ce qui manque à Forza. Un bon petit noce, là, vu que de toute façon. L'horizon c'est de l'arcade. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un peu de noce? Franchement, c'est ce qui manque. Bon, voilà, donc on a fini cette épreuve, on récupère du loot, c'est parfait. Allez hop, voilà, impeccable. Bon, il tombe la nuit, ça c'est dommage. Allez, super, donc on s'échappe de là. Maintenant on va se faire l'épreuve avec le bateau. Voilà, ici. Bon, on va se faire celle-là, hein. Allez. Alors, changement automatique de véhicule. Et allez, on est parti. Voilà, donc là, c'est notre nouveau bateau. Qu'est-ce que c'est que cet engin, quoi. Allez, c'est parti, les amis. Espérant que je sois pas trop nul. Un bateau, c'est vraiment pas ce que je préfère, bien que ce soit quand même super stylé, je trouve.
Mais après, je préfère farmer les... tout ce qui est bagnole. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est bien fait. Hein. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi cet échappement. C'est pas un truc de malade. Waouh. Wow, 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 wow. Voilà, j'ai fait de la bombe. Clairement. Te préoccupe pas du classement. Ouais, reste concentré sur ta conduite. Allez, on repart. Ouais, non, franchement, l'échappement là, trois échappements comme ça de chaque côté, ça claque, ça claque. Allez, à bloc. 260 sur l'eau, les amis. Presque 270. Ah, c'est un monstre. Faut le faire quand même. Hein. 270 sur l'eau, c'est quand même énorme. Bon, là, au final, regardez, j'ai vite rattrapé le peloton. Et je passe quand même. Bon, impeccable. 285 sur l'eau. Waouh, super. Ah, non. Ok, alors là, il faut que j'aille par là. Bon, heureusement que c'est en facile, hein, parce qu'en difficile, je crois que j'aurais rien fait du tout. Hein. Je serais dernier, je serais resté dernier. Voilà. Allez. Oh, le Costa Concordia qui est là-bas. Allez, à bloc. Allez, là, on voit qu'on est en grande mer. Hein. Il y a de la vague. Il y a pas mal de vagues. Allez. Bon, je suis qu'à une seconde hein, d'avance, hein, c'est rien du tout. Hein. Ah bah j'ai presque fini de toute façon. Bon, bah, c'est cool. Allez, hop, un peu de neuf, on repart. Et du neuf jusqu'à la fin. Et on a fini. Bah voilà, super impeccable. Bah il est pas mal ce bateau, il est pas mal. Bah c'est le pilote qui est mauvais. C'est le pilote qui vaut rien. Bah voilà, super. Allez, on récupère notre loot. Allez, impeccable. Bon, allez, vous savez quoi, je vais mettre le loot dans le bateau. Tant qu'à faire. Hein. Alors attendez, là je suis à 113. Là j'ai rien du tout. Je suis à 139. Ouais, vaut mieux que je max celui-là. Hein. De toute façon, je sais même pas si les pièces vont aller. Ouais, si. Donc c'est bon. Voilà, allez, je max celui-là plutôt parce que l'autre il me sert à rien. Enfin, après il est beau, hein, c'est clair, hein, mais bon. Bon, bah voilà, les amis. Sur ce, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo présentation des deux véhicules de la mage. Bon, sympathique, ça fait toujours plaisir à voir. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et bon, si vous avez des commentaires ou quoi à faire, n'hésitez pas à les faire aussi dans l'espace commentaire. Et les amis, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, bon game à vous et à plus les amis, à plus. Ciao !